Rotary District 9103 a organisé du 27 au 29 décembre 2023 le RILA Grand Popo 2023. Déroulé à Grand Popo, il s'agit d'un camp de 3 jours qui prépare les Rotariens à devenir des leaders charismatiques et des Rotariens exemplaires pour demain. RILA, c'est un sigle anglo-saxon qui veut dire Rotary Youth, ça fait R-Y. Leadership Award, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un prix, un certificat, une récompense qu'on décerne aux jeunes que vous êtes pour avoir eu l'initiative de leadership. Donc vous êtes ici pour votre leadership, vous êtes ici parce que vous êtes le futur leader, vous êtes ici pour avoir les éléments pour entrer dans le leadership, c'est-à-dire que quand vous allez sortir d'ici, vous allez cesser d'être de simples spectateurs dans le monde. Quand vous allez partir d'ici, vous allez savoir désormais ce que c'est que la vie et que la vie a besoin de leaders. RILA 2023 a été déroulé suivant un programme bien établi. Durant la toute première journée, les Rotariens ont effectué des visites touristiques afin de mieux connaître le Bénin, notamment la ville de Grand Popo. Après les Allemands ont construit ce pont-là en 1955 pour pouvoir faire l'accès entre les deux pays. C'est ce qui sépare le Bénin et le Togo, c'est juste ce banc de l'eau-là qui sépare le Bénin du Togo. L'embouchure, c'est l'endroit où le fleuve et la mer se rencontrent. Ici, on appelle ça encore Bouche du Roi. Bouche du Roi, pourquoi? Parce que les Portugais, c'était les premiers navires qui sont venus ici. Et puis, ils ont donné le nom Bocal de Rio. Et les Français ont traduit ça Bouche du Roi. C'est ça, c'est le nom qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Ayant vécu une belle expérience à travers les visites effectuées, les participants ont témoigné leur gratitude à l'endroit des organisateurs du camp. Je retiens qu'il y a plusieurs espèces en voie de disparition qu'il faut préserver. Je remercie et je félicite les membres du Rotary Club qui ont organisé ce RILA. J'ai découvert beaucoup de choses et je suis fière d'être venue ici. Je remercie les organisateurs, vraiment merci pour cette opportunité, ce n'est pas donné à tout le monde. Il convient de souligner que les participants au RILA Grand Popo 2023 ont bénéficié de plusieurs conférences. Ces conférences, qui ont été sur des thèmes relatifs au leadership, permettront aux Rotariens de devenir de bons leaders dans leur communauté. 40 millions francs CFA pour accompagner 250 jeunes dans la transformation digitale. 22 500 000 francs CFA pour 150 jeunes non handicapés et 17 500 000 francs CFA pour 100 jeunes en situation de handicap. Chers jeunes, le digital est un remède contre le chômage. Inscrivez-vous vite pour gagner les 150 000 francs CFA ou 175 000 francs CFA destinés aux premiers inscrits. Instinct Leader, centre de formation à vocation inclusive, partenaire de Handicap International.